n'avait pas un bon avis de base sur la Tunisie. On disait bon, ça n'a pas l'air très très développé. Mais en fait, si. C'est beau, les paysages sont beaux et tout s'est bien passé, tout était au top. Franchement, on a vraiment aimé les vacances ici, en Tunisie. C'est vrai que c'est court, une semaine, mais c'était au top. Ouais. Les repas, que ce soit les petits déjeuners, les déjeuners ou les dîners, ils sont tous incroyables. C'est varié. Ouais. C'est varié, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le choix, il est large. Ouais. Donc non, on a bien mangé. Ouais. On a tout mangé. Là, le ventre, il est plein. Ouais. Le meilleur, c'est les fricassés. Hein. C'est magnifique. Moi, c'est tout ce que j'ai mangé. Enfin, vraiment, les fricassés et les repas. Bah, et elle a mangé M6A, c'est ça? Non. M6A, c'est... si. Je sais pas. C'est petit. On a perdu. Ouais. Vous connaissez? Oui. Ouais, bah c'est ça. C'est bon, à la pistache. Ouais, c'est bon. J'avais jamais goûté. Les restaurants, c'est au top. Les hôtels, au top. Les gens sont au top. Donc, nous, ça s'est bien passé. C'était au top. Des belles vacances. Et puis, c'est un pays en développement. Donc, chaque jour, on voit des nouvelles choses. On visite de nouveaux endroits qui sont de plus en plus beaux. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'être en vacances en Tunisie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Alors, toujours mes questions, c'est à propos de la Tunisie? Oui, la Tunisie, c'est un beau pays. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu ça, les gens sont accueillants, gentils, souriants. Donc nous, ça nous fait plaisir de venir en Tunisie pour des vacances d'une semaine. Ça passe vite, non? Ça passe trop vite. Il y a trop de choses à voir et voilà. Moi, franchement, j'ai énormément apprécié mes vacances en Tunisie, donc on était là pour une semaine. Et franchement, ça s'est super bien passé. Les restaurants, c'est au top. Les hôtels, au top. Les gens sont au top, donc nous, ça s'est bien passé. Et quels sont les points forts? Je pense que c'est la convivialité. Les gens, ils sont vraiment accueillants, chaleureux. Et puis même la propreté des restaurants, des hôtels. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'était au top. Des belles vacances. Et puis, c'est un pays en développement, donc... chaque jour, on voit des nouvelles choses, on visite de nouveaux endroits qui sont de plus en plus beaux. Uh-huh. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'être en vacances en Tunisie. Super. C'était les propositions de qui pour la grande sœur? En fait, de notre grande sœur qui est là-bas. Oui. Non, elle ne veut pas. D'accord. Et quel endroit? Nous, on est sur Tunis, sur la place Marsa. Et on a visité un peu... Un peu tout. Ouais, Sidi Bou Saïd, on a visité quelques souks. Et voilà, je crois. Ouais, c'est ça. Après, on a énormément mangé au restaurant, donc c'était au top. Ouais, énormément. C'est de la bonne nourriture. Ouais. Les repas, que ce soit les petits déjeuners, les déjeuners ou les dîners, ils sont tous incroyables. C'est varié. Ouais. C'est varié, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le choix, il est large. Ouais. Donc non, on a bien mangé. Ouais. On a tout mangé. Là, le ventre, il est plein. Ouais. C'est piquant, c'est piquant. Mais c'est bon. Ouais. Le meilleur, c'est les fricassés. Hein. C'est magnifique. Moi, c'est tout ce que j'ai mangé. Enfin, vraiment, les fricassés et les repas. Et elle a mangé M6A, c'est ça? Non. M6A, c'est... si. Je sais pas. C'est petit. On a perdu. Ouais. Vous connaissez? Oui. Ouais, bah c'est ça. C'est bon, à la pistache. Ouais, c'est bon. J'avais jamais goûté. Et quoi d'autre? Bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Vous mangez tout ça? C'est tout. En plat tunisien. Et les fricassés. C'est tout. C'est tout. Seulement fricassés. Oui, c'est tout. C'est trop bon. Après, on est très compliqués, nous, en nourriture. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment des trucs spécifiques. On a adoré la cuisine française aussi. Ils la font super bien. Ouais. Pour venir en Tunisie? Franchement, venez, il n'y a rien à dire. Venez. Le pays au top, les gens au top, la ville au top. Venez en Tunisie. Ouais. Vous sentez que vous êtes en sécurité ici? Ouais. On est passé pourtant dans des endroits un peu vraiment où c'était pas très. Ouais, on n'avait pas forcément confiance. Voilà. Mais au final, les gens sont passé. Sympas. Tout le monde est sympa. Ouais. Des obstacles? Non.
C'est juste la barrière de la langue, quoi, c'est tout. Le fait qu'on parle pas arabe. Ouais, c'est le fait qu'on parle pas arabe. Sinon, non, les gens arrivent à nous comprendre quand même assez facilement. Donc, en soi, c'est... Oui. Ouais. Ça sera pas la dernière. Non, en tout cas, pas la dernière. Prochain programme, c'est quand? Ah, franchement, c'est cet été, je pense. En été, parce que c'est vrai que nous, on est venu un peu tard. Donc, je pense que l'été, c'est bien. C'est encore plus touristique, il y aura plus d'activités. Enfin, il fera un peu plus chaud. Donc, ouais, peut-être cet été, ouais. 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 Ah, oui. On a que ça. Ouais. Je te jure. Les reacts pour les abonnés. Nos stories? C'est vrai qu'en plus, on a assez d'abonnés sur Instagram et sur Snapchat. Donc, c'est vrai que les gens ont réagi assez positivement et vraiment... Vous trouvez ça très beau. C'est ça. Et des commentaires. Des bons commentaires. Ouais, des très bons commentaires. On nous a envoyé des messages pour nous demander les adresses, les bons endroits. Et puis voilà, après... Et les Tunisiens surtout qui répondent à nos stories et qui nous disent « T'as vu la Tunisie, c'est beau, c'est beau. » C'est ça. Bah nous on avait changé, on n'avait pas un bon avis de base sur la Tunisie, on se disait bon ça n'a pas l'air très très développé, mais en fait si, c'est beau, les paysages sont beaux et tout s'est bien passé, tout était au top. Franchement on a vraiment aimé les vacances ici en Tunisie, c'est vrai que c'est court, une semaine, mais c'était au top. Ouais, on ne regrette pas. Hello. Hi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. You are from any country? England, yeah. UK, yeah, from the north. Yeah. The first time when you come to Tunisia? Yeah. Yes, it is, yes. All my question is about Tunisia. How you found it? Do you love it? Yeah, I do. It's very beautiful. Uh-huh. And very nice as well. Okay. The first time when you came? Mm-hmm. Yeah. Hey? We just came like 2 days ago. Okay. And yeah, it was good. You look not happy, no? No, I am. You are happy? Okay. Tired. Tired. You happy to come here in Tunisia? Yes, I'm really very happy. Yeah. How you found it, Tunisia? Alhamdulillah, I find it really good. Yeah. Are you I am a Muslim. Yeah. Yes, I am a Muslim. Oh, I am a Muslim. Yeah. Mashallah. So it is an idea about him to come here in Tunisia. Oh yeah, I would recommend everybody, you know, all worldwide to come over here for all families to come over here. I believe it's safe. I have never had any problems, issue. At the moment, but I don't know, later on. Okay. These are my children, and inshallah we will visit Tunisia again. Uh-huh. Again, another time. Another time again, maybe inshallah next year. Yeah. Okay. Are you happy to come here in Tunisia? Yes, I am. We've been here for a few days now, and it's actually been quite outstanding, fascinating. Well, how do I feel? I feel safe here. I do feel safe. We've still got a few days left, so there's still a few places to go. The only downside yet is the weather, that's all, but hopefully the weather's getting better soon. The first idea about Tunisia is the scenery. Yeah. I love the scenery, the desert, just the scenery. Atmosphere as well. Many things to do, yeah. So, how many times will you stay here? We came here for 5 days only. Yeah. Just only 5 days? Just 5 days, yeah. Mm-hmm. Yeah. That's the deal we got, really. Okay, good. Are you happy to come here in Tunisia? Yes, I am. Mm-hmm. Tell me more about Tunisia. Oh, so far I haven't gone to that much places. Yeah, what is your smile? Huh? What is your smile? I got a smile? Yeah. Uh-huh. And very... like the place so far. The hotel I go to is very nice. Nice food, nice like breakfast, lunch, dinner, everything. And the places, all the shops, very nice as well. Environment is okay. Mashallah. Okay. And overall, it's alright. I like it so far. About inshallah. Food? Huh? About food? Yeah, very nice food. I like it. Yeah. What do you eat? Huh? What do you eat? I eat in the halal food. Halal food. Salad. Halal food. Meat. Yeah. Like chips. Okay. Pizza. Yeah. In the morning today I ate crepe, which chocolate sauce. Okay.
And or egg and bread. Yeah. And seriously, what men? Tea. Yeah. Tea. What else? Tea. Tea? Yeah. Okay. Yeah. What's your place? Place. We went shopping. Oh, we just came from. What is it called? Cafe. Yeah. Dijili. Dilis. Cafe Diligi. Yesterday we went shopping, supermarket. Tomorrow, don't know. We're going to the beach, horse riding, camel riding. Thursday we're going on the quad bike. Yeah, mashallah. Can't wait. So, do you take some picture? Yeah. Do you take some picture? Yes. Yeah. A lot of pics. Yeah. Instagram or Snap? Yeah, Snap. Your friend, what did you say? Nice, very nice, yeah. Nice place. Yeah. Yeah, where we come? Do you think you will come back another time in Tunisia? Inshallah, I will. Definitely will, yeah. Do you take some picture? Yeah, I've taken a lot of pictures. Yeah? What did you say, your friend? It's very nice. I'm enjoying myself. And just time off work and education, just to go chill out. I think it's excellent. It's a really nice place. First time we've come, and we'll definitely come again. You think you will come back another time? I will definitely come back soon. We will come back another time. We just went to City Bouside, okay. Really nice. And we've been to markets. What was the other place? Medina markets. We've been there. Really nice. You buy some gifts? We did. We bought some souvenirs for family and friends. You would like people to come here to Tunisia? We will. Yeah, definitely recommend. Come to Tunisia. Yeah.